un piquage en acier. Un piquage permet de dévier la canalisation et de partager le fluide pour la chauffe ou distribuer de l'eau. L'élève réalise un cintre avec une cintreuse hydraulique. Donc il n'y a aucun problème. Allez, mets de l'eau. L'élève réalise un cintre à 90 degrés en cuivre. L'élève réalise l'entretien du brûleur Fuel. Après avoir réalisé le remplacement du groupe de sécurité, l'élève remet en pression l'installation et vérifie l'étanchéité. Les terminales CAP installateurs thermiques, là, sont sur un travail de départ chaudière murale avec la réalisation d'une installation de chauffage en acier et en cuivre. Les secondes Bac Pro TNE sont sur un travail des bases du cuivre avec la réalisation d'un collet battu et d'un piquage. Ça tourne à l'envers, ça remonte. Et comme ça remonte, en fait, les deux abdos de chaque côté, eh ben, le cuivre, ça vient le relever. Ça tourne. Une fois que ça arrive au-dessus, ça lâche. Et ça nous fait un bon piquage. Après avoir percé le tuyau, une partie du tube est chauffée, relevée progressivement.
Prenez votre temps au départ. Comment vous allez arracher la matière? Thomas réalise un piquage à bord relevé à l'aide d'une broche de plombier. Le piquage permet d'assembler deux tuyaux perpendiculairement. Non, pourquoi c'est pas grave? Ça prend de son bien, c'est de l'acide de toute façon. Non, c'est parce que là, si je le mets d'équerre, ça va, je suis à peu près d'équerre, je fais mon point ici, et puis après je peux faire ma soudure. Ce qu'on veut pas, c'est avoir un tube qui est comme ça, par exemple. Regardez. Si je fais mal ma découpe et que je suis comme ça, quel va être le problème? Il y aura un gros trou, on ne pourra pas soudure. Bah ouais, le trou est là, ça va être trop gros à souder, il faut tout que je relime. Donc la découpe et l'utilisation de votre scie est très importante. Si vous vous démerdez bien, comme on vient de le faire. Orienter pareil. C'est plus simple parce que là... Et après, tu refais la même pièce. Ça va être beaucoup plus simple. Les deuxièmes années de Bac Pro, un ICCER, sont sur deux travaux, à la fois le départ chauffage avec la réalisation d'une installation en acier et l'installation d'un chauffe-eau sanitaire, et le deuxième exercice, un départ chaudière bois avec la pose d'un circulateur 23 voies aux cotes demandées. On a contourné les tuyaux là, on a mis des plongeurs, on a contourné la poutre, on a remis des plongeurs en point haut. Et on passe jusqu'au dans le tampon. La tuyauterie sert à emmagasiner la chaleur. Emmagasiner la chaleur, la chaudière. Super. Les terminales Bac Pro ICCER, là, sont sur une identification d'installation avec la réalisation du schéma de principe, le repérage des éléments pour pouvoir mettre en fonctionnement les chaudières et à la fin les régler.